Bienvenue sur le site des racines. Donc, maintenant, si vous voyez que votre site est en anglais, vous pouvez aller appuyer sur le point d'interrogation sur la petite planète pour être en mesure de changer de l'anglais au français. La première étape pour vous sera d'aller vous inscrire pour votre première fois. Donc, on clique sur « S'inscrire ici ». À l'aide de votre pamphlet RACIM, vous aurez accès à votre code de registration. Vous aurez simplement à l'inscrire en majuscule. Une fois votre code de registration bien inscrit, vous inscrivez votre prénom ainsi que votre nom. Le courriel que vous utiliserez pour votre compte, vous acceptez les termes et conditions. Ensuite, on clique sur « S'inscrire ». Une fois rendu à cette étape, vous aurez donc besoin d'aller voir votre courriel pour initialiser votre mot de passe pour la première fois. Donc, à l'intérieur du courriel, vous cliquez sur « Entrer votre mot de passe ». Vous inscrivez votre mot de passe pour une première fois. Vous pourrez ensuite confirmer votre mot de passe une seconde fois et on clique sur « Définir ». On va pouvoir se connecter pour la première fois sur votre plateforme RACIM en inscrivant votre courriel ainsi que le mot de passe qu'on vient de sélectionner. Clique sur « Connexion ». Donc, pour la première connexion, on doit insérer notre date de naissance pour confirmer que vous êtes d'âge légal. Ensuite, on vous demandera de confirmer votre adresse complète, nom de rue, numéro, ville, code postal. Bien important à ce moment de sélectionner le Canada et votre province. On clique sur « Suivant ». Le tour est joué. Votre carte SIM est maintenant active avec votre premier bloc de données gratuit de 150 Mbps. On peut ainsi renommer votre caméra pour Poly numéro 1. C'est maintenant complet pour la section RACIM.